Il y a l'air frigorifié à l'intérieur de ce monument. Ben, on va vous apporter un petit peu de soleil et de chaleur en allant à Tours qui propose des cours de danse il y a beaucoup de du soleil, monde. Ouais. Et on va, vous allez comprendre pourquoi, Charlie, parce qu'avec Marie-Aude Ravet, merci d'être avec nous. On va voyager hein, grâce à vous, puisque vous êtes une danseuse du monde dans votre association aux quatre vents, puisque depuis 2010, vous faites le tour du monde pour découvrir les cultures et les danses traditionnelles de chaque pays. Pourquoi vous avez décidé il y a 8 ans justement de faire le tour de la planète? Alors c'est une bonne question, je crois que moi-même je me la pose encore. Non, en fait, sincèrement, j'ai toujours été passionnée par les cultures étrangères, par les langues étrangères, et puis je pratiquais la danse, je l'enseignais même comme dans des studios, des écoles, etc. Mais un jour je me suis dit, il faut que j'aille voir ces gens en vrai, je ne peux pas vivre qu'au travers de livres, de documentaires, aussi bons soient-ils. Et je me suis dit, il faut que je le voie par moi-même et que je le vive par moi-même. Il n'y avait aucune raison rationnelle d'entreprendre ce voyage, mais je l'ai fait et je ne le regrette pas. Donc vous êtes partie habillée, vous êtes revenue comme ça. Exactement, tout enlevé d'un coup, voilà. C'est le lâcher-prise. Il faut le préciser quand même, c'est une tenue qu'on va décrire dans quelques instants, parce que vous allez faire une démonstration de danse. Oui, je ne suis pas habillée toujours comme ça. Non, juste pour 9h50 le matin, aujourd'hui, en ce lundi 19 mars. Mais quels sont les autres pays que vous avez explorés? Alors, j'en ai parcouru une trentaine en tout. Ah oui. Donc, je ne vais pas tous les citer. Hein. Mais voilà, mon voyage m'a mené sur tous les continents du monde. Mais à chaque fois, votre but était le même? Alors, mon but a un petit peu changé. C'est vrai qu'au début, je voyageais pour donner des cours de danse parce que c'était ça, le moyen de financer mon voyage. Et puis, au fur et à mesure, comme j'étais souvent hébergée dans des familles, et puis ces pays étaient si fascinants, et c'était ça que j'avais voulu aussi voir et expérimenter, j'ai envie de dire, sur mon propre corps, parce que certains voyages ont été très éprouvants physiquement. Je pense à l'Himalaya, je pense à plusieurs séjours dans le désert, avec des familles, hein, donc pas avec la sac Quechua, etc. C'est vraiment en vrai. Et oui, ça m'a permis de découvrir ces danses, ces peuples, et finalement, mon but qui était de donner des cours pour voyager, c'était finalement, je voyageais seulement pour découvrir les gens et pour apprendre leur danse, leur tradition aussi. Finalement, c'est vous qui avez plus appris que l'inverse. Oui, voilà, c'est ça, je donnais les cours, j'ai dit, ouais, d'accord, c'est bon. Ouais. C'est bon, j'ai donné mes cours, maintenant, allons-y. Je suis là pour apprendre. Allez. Et quelle est la culture qui vous a le plus touchée? Il n'y en a aucune qui m'a plus touchée qu'une autre, parce que dans chaque pays, j'ai été accueillie dans une famille. Je ne peux pas préférer une famille plus qu'une autre. Chaque famille m'a offert gîte, couvert, m'a accueillie comme leur propre fille ou leur propre sœur. Moi, ce qui m'a vraiment plus touchée, c'est à quel point les cultures du monde sont riches, diverses, et je souhaite, à mon humble niveau, pouvoir continuer d'essayer de les préserver, de préserver cette diversité du monde, que tout le monde ne se retrouve pas un jour habillé en H&M avec un iPhone. Ce serait quand même d'une très grande tristesse. Alors, puisque vous citez des marques, on va en citer d'autres, hein, Samsung. Alors, ou encore... ça peut aussi être un Jules, Samsung, bien voilà, entendu. Évidemment. Alors, je voulais savoir aussi, parce qu'on s'intéresse à votre tenue, là, il y a quelques instants, oui. Comment on qualifie, en fait, cette danse thaïsienne? De thaïsienne, déjà. Ouais. Là, c'est la danse... Mais comment on peut la décrire? On pense au soleil, forcément. on pense au soleil, on pense aux vigoureux mouvements de hanches qui sont caractéristiques. Mais pourtant, ce qui, dans la danse thaïsienne, est marquant pour les gens de la culture, c'est que la danse thaïsienne raconte une histoire. C'est-à-dire que quand il y a une mélodie qui est chantée, les gestes des danseurs et danseuses vont décrire, vont mimer les paroles qui sont chantées. Et même, comme tout à l'heure, quand il n'y a pas de paroles, on décrit une idée, on ne fait pas juste des mouvements. Donc, ce qui est plus important que les hanches encore, en réalité, ce sont les mains. C'est ce que l'on voit là, sur cette image. Voilà, ici, c'est une danse qui décrit la beauté de la fleur de frangipanier. Donc, la façon dont elle recouvre le sol et dont elle couvre le corps des jeunes filles qui attendent, c'est le texte de la chanson, les gens importants le long du chemin. Ça rappelle, mais voilà, la tenue, c'est la tenue traditionnelle pour danser? Alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On peut mettre tout un tas de tenues. Ça va du pareo à la robe qu'on appelle un peu coloniale, la robe thaïsienne, en passant par tous les costumes en raffia, les costumes en fleurs et feuilles fraîches. Alors, vous, vraiment... ce ne sont pas alors, des fleurs comme et des feuilles fraîches. On manque cruellement de fleurs de frangipanier dans la région. On les a fabriquées avec des fleurs artificielles. D'accord, et c'est un costume que vous avez fabriqué vous-même? Alors, ce sont les filles de mon association, de mes élèves, qui fabriquent les costumes, qui sont beaucoup plus douées que moi de leurs mains, et qui fabriquent les costumes pour toutes les danseuses. Je les remercie et je suis très fière de porter le costume qu'elles ont fait pour moi aujourd'hui. Eh bien, justement, ce costume, on va le découvrir en intégralité. Vous allez rejoindre le centre de ce plateau, Marie-Aude, pour une démonstration. Charlie et moi, on va au moins regarder ce que vous faites, et puis on essaiera de reproduire la même chose à la maison. On va déjà regarder. Tard. C'est parti, c'est à vous, Marie-Aude.
Très bien, merci beaucoup. Bravo, ouais. Mariode. On a vraiment l'impression, en vous regardant finalement, que c'est une danse assez douce, mais en fait, c'est beaucoup plus sportif qu'on ne mais le croit. Là que ça va s'entendre. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Voilà, oui, c'est assez tonique, c'est assez énergique, et mes élèves le confirmeront. Oui, ça demande beaucoup de conditions physiques. Voilà, et vos élèves seront avec vous ce dimanche au Carnaval de Blois. C'est la 26e édition placée sous le signe de la danse. Et on va pouvoir donc explorer justement les danses de votre association aux quatre vents, également sur votre site internet. En particulier la danse tahitienne et la danse indienne à Blois. Voilà, ce sera à voir à partir de 15h hein, au départ du château de Blois. C'est ça, puis après on va marcher dans les rues de Blois. Ce sera l'occasion de rencontrer. À danser plutôt. Oui, danser et marcher. Oulala, si on danse pendant deux heures, là... Merci Marion, en tout cas, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.